Et une minute? Viens par ici, j'ai des trucs à te dire. Les écoute pas à propos de ce cessez-le-feu. C'est rien qu'un arrêt de mort pour les mecs comme toi et moi. Écoute, fais ce qu'ils te demandent. Récupère les diamants. Et quand tu les amènes à l'aéroport. On attendra là-bas. On s'est arrangé avec un pilote pour qu'il nous fasse sortir d'ici. Mais il fera que dalle si on le paye pas. Alors on va le payer en diamants. Amène les diamants. Stop. Toujours la même règle, pas d'armes. C'est la plus mauvaise idée que j'ai jamais entendue. Grease, j'ai déjà pensé à tout ça. C'est pour la bonne cause. Facile à dire, vous êtes au premier rang, mais je vous préviens, n'imaginez même pas pouvoir m'éjecter, j'en ai beaucoup trop fait pour cette unité. Entrez, mon ami, j'ai d'excellentes nouvelles. J'ai contacté Mbantoué. Nous devons mettre un terme à ce conflit. Le peuple souffre trop de tous ces troubles. Il faut que cela s'arrête. Voilà, amenez cela à Mbantoué. Il est à la brasserie Seco. Dites-lui que j'accepte son marché. Allez-y, prenez. En échange, il vous donnera une mallette de diamants. Ramenez-la ici et nous verrons que l'arrangement que nous avions a été respecté. Surveillez vos arrières, cher ami, le vent tourne. Il doit partir. Et une minute? Viens par ici. Des trucs à te dire. Les écoute pas à propos de ce cessez-le-feu. C'est rien qu'un arrêt de mort pour les mecs comme toi et moi. Écoute, fais ce qu'ils te demandent. Récupère les diamants. Et quand tu les amènes à l'aéroport. On attendra là-bas. On s'est arrangé avec un pilote pour qu'il nous fasse sortir d'ici. Mais il fera que dalle si on le paye pas. Alors on va le payer en diamants. Amène les diamants.
la gorge. C'est toi? Si t'es ici pour le cessez-le-feu, t'arrives trop tard. Un accord de paix? Quelle farce. Des putains de comédiens, ouais. Tu crois que ces hommes veulent la paix? Ils veulent surtout un peu d'intimité. Ils veulent que le monde arrête de les regarder sans arrêt. Comme ça, ils peuvent violer et piller tranquillement, tu vois. Tout ça va s'arrêter. Je vais les arrêter. Et ils me maudiront quand ils sentiront leur sang jaillir de leurs artères. Et tu ne vas pas m'en empêcher. Tu penses que je te connais pas? Que je sais pas ce que t'es venu faire ici? Réveille-toi, avant j'étais comme toi. Ils vont croire que c'est toi qui as fait ça. Un sale petit mercenaire qui ferait tout pour un peu de caillasse, tant mieux. Ça veut dire que la guerre va reprendre. La première saignée a commencé. On va soigner la maladie de ces gens. Toi et moi, nous allons la sortir de leurs veines. Bah quoi là? Les diamants? Un clodo. J'ai oublié de le convenir à propos des chefs de guerre. Et t'étais au putain avec les diamants. Le pilote nous a squeezé, man. Je t'avais dit qu'il le ferait si on payait pas. Et puis les soldats sont arrivés et nous ont tous regroupés. Je sais pas si d'autres mecs sont sortis. Les factions nous mettent l'assassinat sur le dos. Elles disent que les étrangers sont les responsables et qu'ils doivent se débarrasser de nous pour le bien du pays. Sale chien, t'es vraiment qu'une merde. Mets-toi debout. Mets-toi debout, connard. J'ai acheté des billets. Tu m'en vois un? Qu'est-ce qui se passe? Alors, je sais pas. Je cherche, je cherche. Précipité. Non, non, il faut mieux rester à notre poste. Par là, il est de ce côté. Pas pour longtemps. Je vais le trouver. On se rend au poste. Je vais le charger! Tu vas mourir! Tu veux te faire planter? Dans ma terre! Vite! Wilson!
Thank you.
Top, je dois d'abord vérifier. Ce sont les ordres. Je dois garder les armes. Pourri, mec. Écoute-moi, envoie-moi les hommes. Je vais foirer de la terre, rigole pas. J'ai pas envie de voir ma tête ridicule. J'en ai rien à foutre. Ils ont plus de balles, ils sortent des couteaux. Rien ne se passe jamais normalement. Tiens, tiens, qui voilà. Donne ton secret, mon pote. Tu peux sauter des immeubles, t'es invulnérable ou quoi? Mbamfu est mort. T'es au courant? Je me fous de toi et je suis sûr que tu penses pareil. Mais la situation est pourrie, je veux pas être un chef de guerre sanguinaire. J'en ai plein le taux de ces gens qui marchent sur la tête. Je veux un homme avec qui je pourrais faire du business. Donc je veux plus voir ton bossa. Je veux que tu me butes. T'es parfait pour ce boulot. Il est au Sélicodogon. Il y aura beaucoup de gardes. Utilise les deux tonneaux. Il sera bien payé. Voilà les détails. Dès que je peux, je retourne au PC du port. Rejoins-moi quand t'as fini. Thank you.
suis occupé de la sécurité. 48 heures à ses côtés, jour et nuit. Amélie. Vous êtes là. Ici, j'ai entendu quelque chose. Thank you.
Il y a un cessez-le-feu dans cette zone, alors tu déconnes pas. Comment ça va, chef? Bien. Je viens de trouver une douzaine de paquets de coke dans mon casier. Si tu veux pas plier ton barda et foutre le camp, tu vas devoir partager le gâteau. Pas question. Eh, c'était pas une proposition, mon ami. Imagine un peu. Toi et 6 caisses de grenades chinoises lors d'un rendez-vous. Bon, Eh, petite, ça fait longtemps, t'es là pour voir Voriz? Il est pas là. Eh, tu veux qu'on réunisse nos forces, toi et moi? On pourrait liquider Voriz et Carbonel, on serait des chefs de l'UFLL après. Ils sont à Temoko, la foutue mine de diamants à l'ouest du port. C'est un trou dans le sol à découvert, personne peut savoir. J'ai appris des trucs avec ces chefs de guerre, comme toujours se payer le meilleur et tuer le meilleur. Il y a beaucoup d'argent là-bas. On deviendra riche. La mine de diamants, c'est un travail facile pour toi.
Bien, tu sais, ce type t'aimait pas de toute façon. Il dira à Carbonel un bonjour spécial de ma part. Thank you.
camion. Il va nous falloir de battre peur. Claire, certains de tes gars sont trop cons pour conduire. M'en parle pas. Ils ont du bon matériel ici. Des feux verts, des pelleteuses. Il faut mettre tout ça sur une plateforme, d'une façon ou d'une autre. Bonne merde. Tu ne tireras sur personne aujourd'hui. Le seul type qui mérite qu'on le tue ici, c'est Carbonel. Pourquoi tu dis ça? Hey mec, si tu veux tuer quelqu'un, t'as qu'à le tuer lui, ok? Ferme-la ou c'est moi qui te descends. Je sais, je comprends, tu veux juste le cash. Moi, je suis mal. Retournons la situation, d'accord? Dégomme Cancaras à la place. Je paye les gardes, tu prends position sur le toit d'en face, les gardes ouvrent les volets, tu fais bouche. Thank you.
Oh, c'est moi, Kepo. Viens me parler avant de partir. J'ai dû verser une belle somme à votre ami le lieutenant pour vous parler. J'espère que ce que vous aurez à me dire en vaut le prix. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y a eu un incident à l'aéroport. Une fusillade façon western. Ces hommes m'emmènent là-bas pour que je puisse me rendre compte par moi-même. Ou peut-être qu'ils vont en profiter pour m'abattre, qui sait. Si les choses se compliquent, puis-je vous faire signe? Personne ne pourra m'aider, même pas mon employeur. J'ai besoin de savoir si je peux compter sur vous. Sinon, il n'est pas question que je monte dans cette voiture. C'est vraiment difficile pour moi de me contenter de rester à l'écart et de rédiger mes notes en croyant que ça peut changer quelque chose. Il y a des jours où je vous envie. Hey, viens ici. Je veux parler business avec toi. Gardez votre téléphone chargé. On se revoit bientôt, j'espère. Eh, hey, ça fait un moment, mec. Depuis les bois Seco, beaucoup de choses ont changé depuis. J'ai entendu dire que t'avais beaucoup travaillé, à t'occuper des affaires du FLL. J'ai bien réfléchi et je pense qu'on pourrait s'entraider, toi et moi. Tu connais Purefoy et Greaves, ces types ne feront jamais rien de bon. Tout irait mieux pour tout le monde si ces types disparaissaient. J'ai un plan. Quand ils seront tous les deux morts, je pourrais vraiment faire évoluer les choses à la PR, avec toi, ensemble. Je te paierai bien pour faire ce boulot, ça vaut le coup. Il suffit que tu trouves ton chemin jusqu'à ces pocos et que tu t'occupes de ces deux sales types. Après, on pourra se mettre au boulot. Mon ami,